Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça fait archi longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. J'ai beaucoup de préoccupations en ce moment, j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, beaucoup de vidéos qui vont venir. Parce que voilà, ma vie a pris un nouveau tournant cette année. Donc de toute façon je vous expliquerai tout ça, vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite journée sans patoche qu'on va partager ensemble à Paris. On va aller... à Samaritaine, au Louvre, vite fait, pour montrer à mon frère et son pote. Et après, ils vont rentrer chez eux. Et après, je vais aller au restaurant, le petit VH. Mais voilà, donc au moment que je vais être au petit VH, me dites pas oh, t'as oublié Johan et Erwan, ils sont où? T'as oublié les gosses et tout? Non, 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 ils seront rentrés chez eux. Don't worry, be happy. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put it to machine. Cause time moves on and now you're gone. You, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine. I miss you, I miss you, I miss you all the time.
vous ai même pas dit. Alors, on va... Comment ça s'appelle? Au Petit Victor Hugo. C'est un restaurant gastro. C'est un restaurant qui a ouvert genre il y a 3-4 semaines. Combien? Ah, il y a une semaine. Donc, il est trop stylé. Et je vais vous montrer la déco, c'est incroyable. Le bar, incredible. Et bon, voilà, du coup, je vais vous montrer tout ça. Et voilà quoi, je vous montrerai les plats que j'ai pris. J'ai trop hâte de manger. Et je vous ai pas fait un petit briefing sur Samaritaine, mais en fait, Samaritaine, c'est un peu le même bail que Galerie Lafayette. Sauf que Galerie Lafayette, ça restera mon coup de cœur à jamais. Parce que Galerie Lafayette, ça, c'est plus, comment dire, féerique. Attendez, il faut que je vous montre un coup de cœur aussi. Regardez, il est incredible. Incredible. Oh, je veux trop ce lustre chez moi. Bon allez, maintenant je vais aller manger. Salut. Comment on se retrouve? Je suis rentrée à la maison et enfin, je dis maison, c'est un appartement de 21 mètres carrés, donc j'ai. Ça a été une trop bonne journée. Franchement, j'ai kiffé. Samaritaine, ça a ouvert il n'y a pas très longtemps et franchement, je voulais trop y aller. Et du coup, bah, c'était cool, franchement, beau et tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais. J'y retournerai pas. Parce que Galerie Lafayette, c'est plus près de chez moi, genre large. Et je préfère Galerie Lafayette parce que voilà, c'est magique, comme je vous ai dit. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Ah oui, le resto, le petit Victor Hugo. Il est ouvert il y a une semaine. Et bon, si vous me suivez sur Insta et TikTok, vous avez vu que j'ai déjà fait un petit réel avant que cette vidéo ne soit postée. Mais voilà. Oh là là, incredible. Franchement, le resto, il fait grave genre année... je vais dire des conneries. Bon, on va dire année 80. Genre un peu vintage, mais le vintage d'avant, mais en luxe. Genre trop stylé. Et voilà, c'est un restaurant qui propose plutôt... je vais me mettre comme ça parce que j'en peux plus. J'ai trop froid. Qui propose de la nourriture seafood. Genre la mer et tout, crustacés, nanana. Et mon plat, du coup, moi j'ai pris un tartare de bar. Et j'adore. Franchement, j'adore. Vous savez, j'étais grave sceptique avant. Genre, dès qu'il y avait un truc cru, genre j'avais trop peur d'avoir la chiasse ou autre maladie bizarre. Et franchement, non, pas du tout. Mais en fait, oh non, mais je suis grave psychopathe sur ça. Genre, dès que c'est pas cuit, genre je sais pas trop. Voilà. Du coup, à chaque fois, je prends des trucs crus. J'essaye impérativement que ce soit dans un bon resto, quoi. Genre un truc gastro, pour que je me dise, voilà, il y a des règles sanitaires qui sont suivies, je vais pas mourir aujourd'hui, quoi. Voilà, quoi. Dans mon dessert, ça s'appelle le framboise incredible aussi. Genre, c'était une sorte de chantilly, je crois, et tout, avec des framboises, du caramel au beurre salé et des palais bretons. Ah, vive la Bretagne, hein, tu connais. Oui, moi je suis bretonne, si vous ne saviez pas, je suis bretonne. J'ai pris comme boisson la demi-pêche. En fait, j'adore l'ice tea et j'adore la bière. Donc en fait, la demi-pêche, c'est une bière à l'ice tea, quoi. Au sirop de pêche, I love. C'est une addiction. Faut que je me calme dessus d'ailleurs, parce que
voilà, je peux m'en taper un peu trop, mais boire c'est mauvais. Donc voilà, c'est occasionnel, rassurez-vous, je suis pas alcoolique, hein. Voilà quoi, j'adore ça, mais vraiment beaucoup. Il y a aussi ma pote, genre elle s'appelle Estelle et tout, elle m'avait fait découvrir les lèvres rouges, les rubis. Pour ceux qui aiment la bière, enfin, franchement, elles sont bonnes quoi. Merci à elle parce que c'est trop un kiff. Genre dès que j'achète des bières en pack, et bah, je prends ça parce que j'aime trop. Voilà. Je suis désolée de vous parler d'alcool, genre il faut trop se dire la meuf, elle est trop bizarre. Si vous ne buvez pas, c'est bien, ne buvez pas. Si vous buvez comme moi de temps en temps, bah c'est bien. J'ai l'impression que je suis en train de m'enfoncer genre. Oh putain, la vidéo elle va être supprimée. Putain de merde. Ben bref. Bon voilà, je vais aller me prendre une bonne douche, un bon bain, je sais pas trop encore là, un truc qui va bien me réchauffer. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que votre vidéo... Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu et que voilà, vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous incite à me suivre sur YouTube, Insta, TikTok, tout ce que vous voulez. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. I love you.